السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بصحة جيدة وتكونوا مستعدين للفروض اللي جاي إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله تفاعلا مع بعض التعليقات اللي طلبوا مني لسويت نيميريك، إذا سمحوا لي لما توفقتش أنه البي رغبتي لكل شيء، لانه كاين اللي وصل لباري صدر، كاين اللي باقي في البرودوي سكالير، كاين مازال غادي نحاول ان شاء الله نوفق فيما بعد جميع الطلبات. اذا في هذا التمرين كي قلت لكم غادي نديرو لي سويت، نصحوا ان اكزرسيس سور لي سويت كما العاده. راه غادي ما تخلي لكم واحد الصوره سكان ديال الاكزرسيس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الدفتر، باردون اللي ما عندوش الكتاب، ما عندوش الكتاب راه ممكن يتيليشارجيو الصوره ديال لي نونسي بحال اللي عندهم الكتاب. اذا نشوفوا هاد ليكزيرسيس. انا عطيكم اون سويت ديفيني بار لا رولاسيون دو ريكورونس سويفونت، فوالا هادو سيت اون سويت ريكورونت، ما عندناش دونك ليكسبريسيون اكسبليسيت. الوغ لا بروميير كيسيون مي تيقول لك هنا عندك ما عندكش لا فورم اكسبليسيت وعاتيك تمونطري لا بروبريتي، هنا دونك باين راه بيتي لوغيزمون بار récurrence. Alors pour n égal à 0, rien n'a démontré. On a u0 c'est moins 1/2, alors u0 strictement inférieur à 0. Voilà. Soit n un entier naturel quelconque, supposons que un strictement négatif, montrons que un plus 1 est strictement négatif aussi. Alors voilà, j'ai l'expression de un plus 1 fonction de un, et je vois tout de suite là le numérateur il est négatif, le dénominateur il est positif, car j'ai on a un strictement négatif, donc moins 2 fois un strictement positif plus 3 strictement supérieur à 3 strictement positif, donc j'ai un strictement négatif et 3 moins 2 fois un strictement positif, alors le quotient est strictement négatif. Donc, d'où la conclusion un plus 1 strictement négatif. D'où la conclusion. Deuxième question, étudie la monotonie de la suite un. Alors, il suffit de comparer un plus 1 et un. Donc, le plus simple ici, c'est la différence. On a un plus 1 moins un égal à un sur 3 moins 2 fois un moins un est égal à un moins 3 fois un plus 2 fois un au carré, le tout divisé par 3 moins 2 un, que je peux écrire 2 fois un au carré moins 2 fois un, voilà tout simplement. Voilà, c'est une expression simple à étudier son signe. Il suffit de factoriser par 2 fois un, et j'ai ici un moins 1 divisé par 3 moins 2 fois un. Donc, il suffit d'étudier le signe de chacun de ces termes. Alors, déjà, on a un strictement négatif, alors en ajoutant moins 1, il devient strictement inférieur à moins 1, strictement inférieur à 0. Or, on a démontré que 3 moins 2 fois un, il est strictement positif. Et donc, là, j'ai négatif fois négatif, c'est positif, divisé par positif, donc cette fraction, il est strictement positif. Voilà, cette fraction est strictement positive.
Donc, un plus 1 moins un strictement positif. Alors, un plus 1 strictement supérieur à 1. À un. Alors, un est strictement croissante. Troisième question. On pose Vn, c'est un sur un moins 1. Alors, question 3a montre que Vn est une suite géométrique. Donc, c'est-à-dire, il suffit de montrer que Vn plus 1, c'est Q fois Vn. O, Q est un nombre indépendant de n. Ou bien, puisque tous les termes sont différents de 0, pardon, car j'ai un différent de 0, alors il suffit de montrer que la suite Vn plus 1 sur Vn est constante, c'est-à-dire ce rapport est égal à un nombre constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de n. Alors, je vais choisir la deuxième méthode, puisque les termes Vn sont différents de 0. Alors, je vais écrire Vn plus 1 divisé par Vn est égal un sur un plus 1, pardon, sur un plus 1 moins 1 divisé par un divisé par un moins 1. Qui est égal à un plus 1 divisé par un multiplié par un plus 1 moins 1 sur, pardon, c'est le contraire, c'est un moins un plus 1 moins 1. Voilà. Alors j'ai un plus 1, son expression c'est un sur 3 moins 2 un. Un plus 1 moins 1, c'est un sur 3 moins 2 fois un moins 1 qui va vous donner un moins 3 plus 2 un divisé par 3 moins 2 fois un. Ceci va vous donner donc 3 un moins 3 divisé par 3 moins 2 fois un. Donc c'est 3 facteurs de un moins 1 divisé par 3 moins 2 fois un. Alors si je fais le rapport de un plus 1 divisé par un, alors ceci va me donner 1 sur 3 moins 2 un. Si je fais un plus 1, un pardon, un moins 1 sur un plus 1 moins 1, alors j'obtiens un moins 1 divisé par 3 facteur de un moins 1 divisé par 3 moins 2 un. Alors on va simplifier par un moins 1, ça va donner 3 moins 2 fois un sur 3. Et j'obtiens finalement Vn plus 1 sur Vn est égal. Alors un plus 1 sur un, c'est 3 moins 2 fois un. Multiplié par 3 moins 2 un, le tout divisé par 3, en simplifiant, on obtient 1 sur 3. Donc je conclus que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 3. Son premier terme, c'est V0 est égal à U0 sur U0 moins 1 qui va vous donner 1 sur 3 aussi, on va vous donner 1 sur 3.
Question 3B, exprimer VN puis UN en fonction de N. Alors, je rappelle qu'on a VN est une suite géométrique de raison 1 sur 3. Et V0 est égal à 1 sur 3. Alors, la formule d'une suite géométrique, alors c'est Vn est égal à 1 sur 3 à la puissance n fois V0 qui va vous donner 1 sur 3 le tout à la puissance n plus 1. Alors, on va exprimer maintenant Un en fonction de n. Alors, partons de la relation qui définit Vn, c'est Un sur Un moins 1. Alors je vais exprimer Un en fonction du Vn. Alors ceci va vous donner Vn facteur de Un moins 1 égal à Un moins 1. Donc ceci va vous donner Vn Un moins Vn est égal à Un. Donc Vn Un moins Un est égal à Vn, c'est-à-dire vous avez Un facteur de Vn moins 1 est égal à Vn. Et donc, Un est égal à Vn divisé par Vn moins 1 qui est égal à 1 sur 3 à la puissance n plus 1 divisé par 1 sur 3 à la puissance n plus 1 moins 1. Alors, la dernière question, calculer en fonction de n la somme V0, V1, V2 jusqu'à Vn. Alors, je rappelle que on a Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 3. Donc, d'après le cours, la somme des termes consécutifs dans une suite géométrique. Voilà, ce sont des termes consécutifs. 0, 1, 2 rond, 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 1. Donc la formule c'est V0, 1 moins la raison, qui est 1 sur 3, à la puissance, le nombre de termes. Le nombre de termes, attention, c'est de 0 jusqu'à n. C'est n plus 1, divisé par moins 1 sur 3. Voilà, ça, j'ai appliqué directement la formule. Donc, V0, c'est, on a démontré que c'est 1 sur 3, multiplié par 3 sur 2, facteur de 1 moins 1 sur 3, le tout à la puissance n plus 1, donc qui va vous donner 1 demi, 1 moins 1 sur 3, le tout à la puissance n plus 1.